Salut à toutes et à tous, c'est Imaginox9 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Last Team sur OMSI. Alors, aujourd'hui, on a un prototype, un bus de test, qui a été testé en 1996. Donc, en 1996, il y a eu comme bus de test un Jonker 1er, un Renault R312 et un Mercedes-Benz O405 N2. Enfin, c'était un O405 N tout court dans le test, mais sur OMSI, le 405 N n'est disponible qu'en deux portes et pas en trois portes. Et puis, de toute façon, si la Stib l'avait acheté, ça aurait été des N2 et pas des N. Alors, la Stib a finalement acheté le Jonker 1er parce que le Renault R312 avait le plancher haut et le 405 étaient trop chers pour la Stib de l'époque. Alors l'arrière, je l'ai pas fait. Je sais pas comment il était en vrai, mais il était sûrement avec le contour en blanc, hein. Et comme vous pouvez le voir, les Manenel 202 circulent enfin. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule photo de ce bus et elle est prise dans cet angle-là. Voilà. Il n'y a pas non plus le petit logo PMR ici. À part ça, j'ai fait de mon mieux. Allez, on démarre. N'empêche, vous rendez compte si la Stib avait pris ça au lieu de... Putain, les vues sont vachement mal faites par contre, hein. Mais vous imaginez si la Stib avait pris ça à la place des Jonker SB250 et premier? Ça aurait été tellement cool. On dirait que Morphy aime beaucoup les vues trop près. Quel mode de Morphy. Alors l'intérieur, j'ai laissé l'intérieur de Hambourg, hein, parce qu'il n'y a aucune photo de l'intérieur. Évidemment, porte en mode allemand. Alors petit fun fact, j'ai déjà pris un O405 N2 comme ça dans ma vie à trois portes. Et c'était d'ailleurs chez Modern Tourisme, un privé qui roule pour Delaine, et ils avaient les boutons arrêt demandé en rouge comme ça. Et moi j'étais petit donc je croyais que c'était tous des boutons d'alarme. Alors pour sortir, j'ai été là et j'ai appuyé là-dessus sur le self de la troisième porte. Et vu qu'on est sur un bus allemand, ça a allumé le Haltewunsch. Et puis ça s'est ouvert avec marqué Tür auf. Allez, bah on y va. Enfin, je vais quand même d'abord allumer la machine ici. Alors, la ligne, c'est ligne 130, route 9, si je me souviens bien. C'est ça. Alors on est au dépôt du festival Exclusion, hein, et il est juste à côté du point de départ, à savoir la Fernbahnhof Spandau. Halli, hallo, hallo, meine Damen und Herren. Willkommen bei der Hallo, Bus hallo. Ich hätte gern eine Frage. 130 nach Waldkrankenhaus mit der Mercedes-Benz O405 N2. Alors, Tageskarte. Hallo. Guten Ein Tag. Fahrschein bitte. Ein Normalfahrschein bitte. Alors, il faut lui rendre. Stimmt das so hier? Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ja. Dankeschön. Et donc la photo de ce bus qui a été testé en vrai, il était sur la ligne 29. Il y avait donc marqué 29 Oftenberg là-dessus.
Alors j'allume juste pour avoir le rétro-éclairage des pastilles. Et on se casse. Vous avez regardé les ennuis. Il y a un O305. Breite Straße, Markt. Deux O305. Donc ouais, on fait pas la ligne 130 en entier là, on fait juste le 130 barré quoi, le 130E. Ah bah y'a personne pour nous. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Tiens, il y a l'invasion de pompiers comme sur Wilsonburg. Können Sie bitte mal ein bisschen die Heizung anmachen? Ist ja ein Hallo. Eine Frage, aber bitte. Ce qui est déroutant, c'est que la caisse elle est en euros, alors qu'on doit rendre des Deutsche Mark. Oui, bah désolé. Ah bah cool, ça devient vert tout de suite. Straße. Hallo. Dommage, on sait pas ouvrir en marche et repartir avec la porte ouverte. Ils savent pas attendre ou quoi? Starkener Straße. Quand on fait une manœuvre comme ça, cher monsieur en camionnette bleue, on n'a pas la priorité. En plus avec cet angle de caméra, je me prends tout le temps le trottoir. Hallo. Guten Tag. Einmal Schüler bitte. Ja, ja, Schüler bitte. Alors, ça fait combien à lui rendre? 3. Also, ich glaube, sie haben mir zu viel Rückgeld. Oui, il s'en fout le gars, on s'en fout. 70, c'est ça. Bon, allez hop. Können Sie es mir auch größer geben?
C'est bon, te plains pas trop le gamin. Je sais pas, les Deutsche Mark ça me... Hein? Si c'était en euros, je m'y retrouverais plus facilement. Parce que je devrais pas convertir dans ma tête. Parce que là, le 2, par exemple, pour des pièces de 2 euros, c'est des pièces de 5 Deutsche Mark. Le bouton pour des pièces d'un euro, c'est des pièces de 2 Deutsche Mark. Enfin, vous voyez quoi. Faut faire le calcul dans la tête. Stop. Enfin bref, mis à part la caméra complètement bizarre, c'est un bus hyper agréable à conduire. Zeppelinstraße, Segefelder Straße. La voiture devant nous, c'est la voiture Mercedes. La fameuse voiture la plus fiable de tous les temps. Et nous, on a le bus le plus fiable de tous les temps, aussi Mercedes. Et de la même génération en plus. Allez, grouille. Schüler, bitte. Hallo. Ça va, lui, je dois lui rendre que 20 cents. Non, le monsieur en vert, il attend le bas d'SD qui est derrière moi. Dankeschön. Ils préfèrent tous le Man SD ou bien c'est... Ah non! Non, on n'est pas plein. Merziger Straße. Einen normalen Fahrschein, bitte. Allez, normal Fahrschein, bitte. 1,50. Danke.
Après, même s'il est ultra agréable à conduire, je préfère quand même la version MAN, et il y a même un mode 3 portes pour le NL202. Folgen Sie der Chaussee, Zeppelinstraße. En plus, ce mode 3 portes ne met pas le mode allemand. Bah tiens, y'a un O305 là-bas qui arrive sur le côté. Hallo. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Bah si, il y a toujours le Bad SD derrière nous, je viens de le voir dans le rétro. Siegener Straße. Ce qui est marrant, c'est que là c'est une image fixe. Et si je tourne un peu plus, ça baisse qu'il y a réellement. C'est le mode économique, hein. Ça s'appelle. Ça permet de pas trop bouffer sur les données. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte. Dankeschön. Straße. Bah tiens, il y aura que de la descente. Wasserwerkstraße. Ja.
serveur va devoir attendre. Du coup, oui, la vidéo est en retard parce que j'ai pas su faire la livrée dessus du premier coup parce qu'il a pas de template. Et donc j'ai essayé de m'en faire un tant bien que mal. Vite fait. Plus très loin. Spectrefeld. Ah ben y a personne. Et juste là il y a un terminus pour d'autres lignes. Ah, zone 30 scolaire. Youpi. Hallo, einmal normal bitte. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein bitte. Danke. Hallo. C'était assez rapide comme arrêt. Hallo. Tiens, il y a un mode scolaire.
Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Alors, Kurzstrecke, normalement, c'est 2,70. Dankeschön. Mais... Ok. Mais le clignotant est bloqué? Ah, voilà. J'essaie de pas bloquer la ruelle. On est quasiment arrivé, hein. On va croiser un autre 305 dans l'autre sens. Ça, c'est le papa de notre bus, ça. Griesinger Straße, Waldkrankenhaus. Ah tiens, madame, c'est une flemmarde. Parce que le terminus, c'est le prochain arrêt, et elle monte ici. Ah, mais oui, attends, attendez. Mais oui, c'est le mode scolaire. Voilà. Je savais pas qu'il fallait appuyer là pour le désactiver. Bref, le terminus de la ligne 130, normalement il est là-bas, d'où vient le bon SD. Mais la ligne 130E, le terminus, est par là. Donc on y va. Waldkrankenhaus. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Voilà, donc madame, elle était montée là-bas et elle descend là. Elle est terminus. Au revoir tout le monde. D'ailleurs, regardez, là il est marqué Einstein. Donc normalement, voilà, on peut appuyer là sur le bouton. Et là, il y a un bouton là, et là, et aussi là, c'est le bouton PMR, ça. Donc hop, je déploie la rampe. Ça y est, hop. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si... Ok, d'accord, ma réponse a été répondue. Ma question plutôt a été répondue. On va se garer. Enfin,
Faudrait plutôt déjà se mettre à l'arrêt de départ. Voilà. Ok, l'afficheur veut pas s'effacer, bah tant pis. C'est donc sur ces images que l'on va se quitter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et tout ce que vous voulez. Et au revoir.